et t'as mis avec personne, donc... Bonjour! Avez-vous entendu parler de la parole de Raptor Jésus? Bon, là on arrivera le 18. Donc normalement les forts, les territoires ne tomberont pas. Ah si, ça prend quand même, d'accord. Bon bah tant pis. Pas bien gagnant. Je conseillerais de pas trop bouger leurs armées, moi, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Et on va pouvoir faire des routes encore par ici d'ailleurs. Ah, ils avaient une unité en exil, d'accord. Pas de chance pour eux. Est-ce que Rome est en guerre par le plus grand des hasards? Rome n'est pas en guerre. Carthage est toujours en guerre. Et Carthage gagne sa guerre d'ailleurs. Ah, t'as bien fait toi de mettre tes 11 000 troupes ici. Tiens, amène-les, qu'on rigole. Non, tu toucheras pas mes territoires. Tu t'arrêtes tout de suite. Ah, ils ont une technologie, enfin ils ont une meilleure tactique. Mais on a le nombre pour nous. En tout cas, on a les ailes. Et on a la cavalerie qui peut bien flanquer comme il se doit. Donc ça fait des dégâts assez colossaux. Et on va l'empêcher d'aller mettre ses armées là où il faut pas. Il pourrait passer en loup. Ouais, il y a beaucoup d'archers, hein. Ouais, c'est ça, il passe en loup, mais que 2%. On a un moins 10. Oh purée, d'accord, tout notre centre s'est fait défoncer la tronche. Nos archers se sont fait mais démonter, mais après. Ah oui, d'accord. Vous êtes sérieux là? Il a carrément les chars qui se font démonter la gueule. On va peut-être passer en loup hein, pour le coup. Parce que l'autre est bien en loup en face. Et le loulou de Poméranie là, il... Alors... Ah! Ah ouais, bon bah... Ça m'intéresse pas quoi. Par contre, est-ce que j'ai un chef de clan qui dirige mes troupes? Non. Je préférerais pas. Alors, attrition marine, déclin d'expérience. Ok, on avait vu que c'était pas forcément coût d'entretien. Ah, coût de conversion des populations. Bon, ça c'est pas ce qui me coûte le plus cher, donc je m'en fous un peu. On va prendre le déclin d'expérience qui nous donnerait expérience de départ plus 5% et capacité d'assaut. Bon, on va voir ce qu'on arrive à obtenir. Va falloir qu'on mette des points. Puissance civique, peut-être qu'on sera plus efficace de ce point de vue-là. Par contre, je suis inquiété parce que... J'ai l'impression qu'il manque une famille. Mais c'est fort possible, hein. Et ce qui m'inquiète, c'est que... Cette famille recrute des choses qui ne m'intéressent pas.
Il nous faudrait prendre la capitale de la province là-bas et après on aurait remporté ce qu'il nous faut. Ah voilà, je me disais qu'il manquait une troupe. Vivre de la terre, d'accord. On a aussi le vivre de la terre, ok. Alors normalement, lui déjà, il aura pas un gros moral. Et là, je suis en défense résolue, qui est moyennement. Ah si, efficace, parce qu'il est qu'en charge, donc oui, bah il va prendre sa claque quoi. 35 pirates là? Ça va être gênant ça. Il va falloir qu'on envoie notre flotte. J'ai bien fait de la faire parce que 35 bateaux pirates, c'est pas une bonne nouvelle. On peut peut-être s'éviter une bataille inutile. Une population est morte. Pauvre population. Avancées militaires viennent de passer encore de niveau. Ok, bon allez, on va arrêter. Ah, capitale non occupée. Ah. Bon, ah, désolé, on y va alors. On va occuper la capitale. S'il faut occuper la capitale, on occupe la capitale. On n'est pas difficile, nous, dans le pays. Ah. Robrika. Ah, c'est où Robrika? Robrika. Ok. Et donc ici, on pourrait passer de la population esclave. Alors, c'est vitesse de local de cohorte. Bon. Non. Voilà. Les arvernes, c'est très bien. Alors, on va défoncer les populations qui traînent dans le coin. Où sont les bateaux? Ok, ils sont en route. Et on va calmer un peu les pirates. Et on va s'acheter aussi on va dépenser en infrastructure pour avoir de la puissance civique supplémentaire. Voilà. Maintenant, tu me donnes tout. Voilà, t'es sage. Tu files ton fric aussi. Non, moins d'expansion agressive, ce sera très bien. Et donc, on serait en capacité d'attaquer directement une aile derrière. Qui aurait les Cugernes comme, et les Ménapes comme alliés. Sauf que nos armées ici ont pris quand même une certaine déculottée et une culottée certaine. Ok, ça pourrait être bien. On va mettre dans les cités. Ok, alors ça par contre. Ici. Voilà. On va commencer à être un peu plus mort de dysenterie. Qui est mort de dysenterie, cet homme-là? Bah. C'est une armée qui venait juste de se recruter. Ça tombe bien. Nouvelle suite des Indity. Hop là. On va les renvoyer là-haut. Alors, il va falloir qu'on envisage fortement de faire quand même des routes.
Et je me dis que 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oh, on va faire comme ça. Hein. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Sans position. Tant mieux. Alors. Ici. Arverne. 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 Non, Delemovis encore. Arverne. Arverne. Ouais, donc à part les Lemovis qui sont ici, les 5 là, papy il aura fait le taf. ...51 de population quand même sur la capitale. C'est pas trop mal. Par contre, on a énormément de... d'esclaves. Bon, en même temps, on a énormément d'esclaves. Faut dire aussi... Faut dire aussi que on est quand même assez du genre pété. Quoique, est-ce qu'on a besoin de se battre contre ça, forcément? Pas spécifiquement, hein. Alors, route d'importation, coût de promotion des hommes libres. Ça, ça peut être bien, par contre. Conversion du pays, coût de score de guerre, ok. Pour entacher la réputation, s'en fout. Loyauté mensuelle, oui. Durée des présages, oui. Je pense que ça c'est plus important. Au moins s'assurer que tout le monde est bien intègre et que ça ne pose pas de problème. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. On est à 68 pièces par mois. On va en racheter hein, d'essai. Ok, mort d'un. Ah mince! Ah il était bien celui-là! Il avait fait un sacré taf en fait et il va nous coûter très très cher là. Parce que si si les populations sont mal gérées, on va avoir des sushis. Alors, impressionnant et polymath, mais il est fourbe. Alors, on va pas me dire qu'on n'a pas meilleur que ça quand même, on n'a pas que des fourbes dans la famille, non? Fils du premier membre de la famille des écuries. Pourquoi je peux pas mettre mon fils comme... Ah mais il est fourbe. Ah bon. Lui aussi est fourbe, c'est ça. Pourtant ils ont pas le trait fourbe. Ah si. Ah mais c'est tout un groupe de fourbes quoi. Par contre pourquoi on a un étrusque chez nous? Intelligent, corrompu, oui bah, enfin forcément, faut qu'il soit corrompu quoi. Toi t'es quoi? Arverne, Dudric. Sinorix, Sinatus. Est-ce qu'on peut mettre Sinorix, Sinatus? Oh bah, corrompu pour corrompu, franchement, hein. Alors.
Les Movici. Les Movici, on avait dit que tout était converti, hein, de mémoire. Bon, j'ai vu qu'il y avait un centon qui traînait, mais c'est un... Ok. Et ici, on produit des points de recherche, donc ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs. Ouais. Il va falloir qu'on change ça par contre ce qu'il y a ici. On va mettre autre chose là. Et sur la Celtique on changera aussi, hein, ça me va pas. Ok. Ouais, bah de toute façon on va utiliser des points de puissance oratoire, hein, on n'aura pas trop le choix. Faire comme ça et les routes ouais on n'est pas trop mal en termes de route, on n'est pas trop trop mal quand même, c'est pas non plus fabuleux mais d'accord, et Rome est en guerre avec des petits pays là-bas. Ok. Avancée oratoire. Ah, et d'accord, ouais. Centaine druidique, carverne druidique. Non, enfin, qu'on gagne un peu des points, quoi. Parce qu'on est un peu en retard, donc ça serait sympa que ça avance. Ah, j'en ai un qui est déloyal. Bon, il va revenir loyal. Toto, c'est lequel? Tu fais quoi, toi? Ah, mais t'as 75 piges, donc franchement, s'il fallait avoir quelque chose qui pourrait m'embêter, ce serait pas ça du tout. Ouais, non, là, faut vraiment qu'on change la culture. Ça sera toujours mieux, beaucoup plus rentable. Ah d'accord, on est devant Rome. Trente-huit. Ben non, ça va encore manquer. Il va manquer quelques mois. On va utiliser peut-être des points d'abord d'infrastructure. On va faire des infrastructures plutôt que partir sur l'oratoire. Le civique, ça sera pas mal. Et puis, bah, en fonction, on rachètera peut-être un peu de. Parce que d'un côté, aller plus vite en puissance civique et faire toutes les technologies qui pourraient nous être nécessaires, je trouve ça plus intéressant que de devoir partir sur d'autres choses moins cruciales, dirons-nous. Ok, bon, il y a des mantagres un peu de partout. Si tu veux, on sera amis. Et on va se rapprocher de Hunel et on va leur déclarer la guerre parce que clairement on peut leur péter leur petite tronche. Moi ça me va. On va se mettre ici d'ailleurs avec cette armée. Quelle autre armée Voilà, viens. Eh, viens copain. Le 9 juillet.
Et comme ça, bah, on va foncer un peu sur tout le monde et puis on va annexer un peu tout le monde. Est-ce qu'on aurait la possibilité de construire des bateaux ici? Non. Ouais. Voilà. On garde des trucs pour nous. Parfait. Et dans l'ensemble, bon, même si on prend pas, ils prennent pas forcément toutes les routes que l'on a tracées. Ouais, parce qu'on n'a pas fini les tracés aussi. Pour ça. Non, parce que ça trace des routes, c'est bien, mais il faudrait finir les routes. Alors, de ce côté-ci. Bon, j'ai vu plusieurs fois des saluviens, etc. Ça me plaît pas, ça va se convertir. Ça, c'est bon. La capitale, c'est en route. Il y a quand même du bon travail de fait dessus. Il a déjà converti 10 de pop. Il y avait des choses à convertir ici? Ah bah non, là, il y avait plus. Ah si. Si, si, si. Il y avait des Lemovis à convertir. Et sans son quoi? Il est bon en plus ou pas? Ouais, 8, c'est pas excellent, mais c'est toujours mieux que rien. Là, le 12 novembre, là, le 23 janvier. Je m'absente presque 1 heure et il 1 heure et il envahit presque toute la Gaule. Bah, en même temps, on prend un peu ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'il y a de disponible. Alors, on n'aura pas la possibilité d'avoir des technologies là? 107 points. Mon dirigeant est corrompu? Oh, zut! Coût de conversion des pop, non, coût de promotion des hommes libres, ça pourrait être intéressant. Entretien des forteresses, moins 10, ça peut être intéressant aussi. Limite de ravitaillement, plus 10%. Depuis le temps que je le veux, ça. Ça va faire du bien sur les provinces. Ouais, on est quasiment en position, donc on va prendre ça ensuite. Voilà, et lui il va pouvoir remettre des armées à cet endroit-là. Là, on arrive. Accident médical. Un incident assez embarrassant vient de se produire au cours du traitement de Adminius Vodenosus. Divico Vodenosus, en menant quelques opérations de routine sur lui, a opéré au mauvais endroit, lui infligeant de graves blessures. Nous pourrions demander à ce que ces traitements cessent, mais Divico. Mais c'est qui ça? C'est quoi? D'accord, c'est l'autre, le fils du chef du clan, qui a opéré son père. Et qui s'est loupé. C'est pas mal ça. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, on fait poursuivre. S'il est estropié, c'est son problème. C'est la famille qui se défonce la gueule. Moi, ça me va. Alors, je veux juste finir la route parce que comme ça, cette armée-là pourra choper les armées qui se déplacent par ici. Ça pourrait être pas mal. Quoique, je vais faire comme ça plutôt. T'as combien de troupes, toi? T'as 35 troupes. Ah, non, on reste là. On va faire tomber ce qu'il faut faire tomber, ça sera bon. 25 janvier. Bon, allez. Donc, on a dit, hein, y a du monde. C'est pas grave. Ah! Je n'ai pas de casus belli? Voilà qui est gênant. Comment ça, je n'ai pas de casus belli? Alors, bonus de recherche, oui. Comment ça, je n'ai pas de.
pas fait de casus belli sur une aile. Ah bah tiens, bon, vous voulez justement de l'argent, merci. 1300. Ah, et ça coûte cher quoi. Bon, en même temps, on a mis. ...50% à chaque fois, ça commence à faire cher. Bon, vous me direz, on pourrait attaquer... Ouais, si, on va pas attendre. On va déclarer la guerre. Parce qu'en fait... Non, c'est pas supériorité navale, c'est une supériorité tout court. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tout simplement, on a les points pour repasser la stabilité au niveau maximum. Parce que clairement, voilà. Et en plus, notre lassitude de guerre se casse la gueule. Donc, bon, hein, c'est pas comme si c'était trop simple. On rentre en guerre contre qui? Contre tout ça. Ok, bon, bah, je vais prendre ce fort-là. On va aller prendre ce... Si on va prendre ça quand même, on va pas faire les cons. Faisons pas les cons. Soyons efficaces. Voilà. Voilà, plus on fera tomber de fort, mieux ce sera. Toi, tu arrives quoi, le 26? Ouais, t'es pas encore, hein. Voilà, reviens là. On va ramener mon armée ici. Parce qu'ils ont fait fuir une première armée qui était aussi efficace que rien du tout. Attends, on peut attraper cette armée là. Alors là, je suis quoi? Je suis en loup. Le loup peut défoncer le lapin. Mais peut se faire défoncer par. Ok. Et toi, tu vas où? Tu vas jusque cette ville. Ok, ça marche. Si on arrive à prendre les deux forts ici, on aura fait du bon taf. Est-ce que j'ai des armées encore par là? Oui. Donc on va les ramener aussi. Ouais, par contre là, presque une route ici en travers serait plus rentable quoi. Parce que quand on arrive depuis Tolosa, c'est pas rentable cette histoire. Il est probable que l'ennemi l'emporte. Avec autant d'armées, il pourrait l'emporter? Allez, mon armée elle arrive le 26, donc techniquement, on leur botte le cul. Voilà, puis c'est pas que de la technique, c'est du bottage de cul. Victoire, allez. Et maintenant, tous ensemble, ouais, ouais. Alors, les Avernes gagnent 40, 100 puissance, oui, on prend. Tu vas pas tarder à atteindre le village d'irréductible gaulois. Oui, ben. Irréductible gaulois, ils ont pas tout vu encore.
Ok. C'est Perceval le Gallois. Aou, aou, aou. Arverne, quel est votre métier? Bon. C'est pas le tout ça, mais Il peut pas être des Gaulois. Bah, je suis un Gaulois, donc je suis pas. Voilà. Hein.